Bonjour mes anglophobes. Bonjour. Bonne fête du mouton. Bonne fête du mouton à vous tous. Venez. Bonne fête du mouton à vous tous. Bonne fête du mouton. Attends. Je suis en train de... Bonjour. Bonne fête du mouton. À tout le monde. Voilà, c'est pas trop long. Hein. C'est juste 5 à 10 minutes. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir quelque part là, je fais 10 minutes là, je salue tout le monde et puis, hein? Je dis tu peux t'asseoir là, tu peux t'asseoir 10 minutes. Bonne fête du mouton mes anglophobes, j'ai juste 10 minutes pour vous souhaiter une bonne fête. Bonne fête et vous dire que Jéhovah don't do me something. Je vous mets ça au Jéhovah dans Doumi senti. Aïe aïe aïe. Biggie senti. Come follow me to celebrate him. Voilà, c'est chaud. Mais comme c'est la fête aujourd'hui, nous allons accompagner nos frères musulmans. Parce que la fête reste la fête. Il faut, aujourd'hui, il faut essayer d'éviter les hostilités, mes anglophones. C'est chaud. C'est chaud. Je vais vous donner quand même un brin de ce que je vous dis demain. C'est grave. Et donc, bad fonkolo, les anglophones. Écoutons d'abord un petit bout de Big something. Don't follow me, come follow me to celebrate him. Je suis toujours en route. Hein? Vous savez, nous aujourd'hui, on doit manger le mouton dans le yacht là-bas ce soir. Donc, je suis toujours en route. Je cours. Je vous ai dit hier que je faisais des photos chez les gens de Dubaï au bateau. Donc là, je sors de là. Je suis en train de monter chez moi pour essayer de me débarbouiller. La grosse fête du mouton, c'est ce soir. Mais en attendant, je prends 10 minutes pour vous parler. En attendant, on doit écouter notre... Voilà. Yo. Merci d'être là. Merci. De cet après-midi. Le Jéhovah dont on parle là, il est le Jéhovah des autres. Notre Jéhovah, c'est nous. Notre Jéhovah, c'est nos ancêtres. Alors moi, je dis Mbok Nolengom. You don't do me something. Toi, Mbok Nolengomo. Toi, le père de mon papa. Toi, Mbok Nolengom. You don't do me something. Toute cette force vient de toi, toi du fin fond de son ngoma sokele. Njengi lura don't do me something, oh. Biggie something. Toi njengi lura le roi de Kelendongo, mon arrière-grand-père.
You don't do me something. Ça, c'est nos forces. Bengos. Raphaël, do me something. Aïe, aïe, aïe. Mon grand-père maternel. Oh. You don't do me something. Aïe, aïe, aïe. Comprenne qui voudra. Tamangbog Nicolas, toi mon papa, you don't do me something. Aïe, aïe, aïe. Biggie, biggie, something. Come follow me to celebrate. Célébrons nos ancêtres. Oh, 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 oh. Bonjour Colette Terrier. Célébrons nos ancêtres. Yo, yo. Aïe, aïe, aïe. Biggie, biggie, something. Regardez, je chante ça, même les Européens sont contents. Ils sont contents, ils nous disent célébrons nos ancêtres. Arrêtons de nous perdre. Mes anglophones, arrêtons de nous perdre. Nous sommes nombreux qui traînons dans la boue parce que nous avons tout perdu. Nous sommes nombreux à traîner dans la boue parce que nous avons tout perdu, je vous assure, tout. Moi, je dis, don't do me something. Mon arrière-grand-père, de Kelendongo. You don't do me something. Aïe, aïe, aïe. Biggie, biggie, something. Come follow me to celebrate. Bog nolongom de Kelet de Songongom. Par Puma. You don't do me something. Oh, aïe, aïe. Big, big, something. Come follow me to celebrate. Bog nolongom, c'était le père à mon père. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous donner, passer comme message cet après-midi. Je ne veux pas être longue, 10 minutes. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Ngos Vitolog, you don't do me something. Aïe, aïe, aïe. Ngos Vitolog, c'était le père à ma mère. Oh. Come follow me to celebrate. Je vous assure, comme je vous dis souvent, respectons ceux qui ont vécu. Respectons ceux qui ont de l'expérience. Je viendrai vous raconter mon expérience et ma vie. Je vous assure. Parce que quand ça ne va pas, mon anglophone, va te mettre devant la tombe, sur la tombe de ton arrière-grand-père. Dis-lui, raconte-lui ce qui t'arrive. Quand tu es dans la propreté, dans la clarté, dans la vérité. Parce que faisons attention aux ancêtres. N'allons pas les secouer quand nous savons que nous sommes dans le mal. N'allons pas secouer les ancêtres quand nous savons que nous faisons du mal. Aucun ancêtre ne va accepter que vous nuisiez, que vous détruisiez, que vous tuiez. Aucun. Donc en allant appeler les ancêtres en sachant que vous êtes dans la vérité, ils seront toujours là. Ils seront toujours là, mes anglophones. Les ancêtres ne les embêtons pas pour rien. Aucun ancêtre, aucun de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents ne viendra vous accompagner pour que vous fassiez du mal aux gens. Aucun. Bon, je ne vais pas vous retenir longtemps. Moi-même, je vais me reposer un peu, me débarbouiller parce que le mouton est de taille dans le yacht ce soir. Le mouton est de... Bonjour Antoinette Mamba, bonjour Karine et Seka. Merci pour la classe. Merci. Bon, je n'ai pas trop de temps. Je vous assure que le soleil est en train de nous faire ça dur ici. C'est grave. Grave. Bon, c'était juste pour vous dire ça. Au passage, vous avez vu, j'ai mis là-bas que Belzébuth a commencé. Il l'a toujours fait. Il s'en va entourouper les infirmiers du centre de santé que j'ai construit. Il s'en va. Il leur dit, c'est moi, je suis le grand journaliste. C'est moi qui ai construit. C'est le centre de santé du village. Donc, quand il est malade, il s'en va entourlouper les gens. Il vole les médicaments, mes enfants. Et tout ça retombe sur les jeunes stagiaires. Ça retombe sur les jeunes infirmiers. C'est eux qui se retrouvent en train de payer tous les médicaments que votre Belzébuth prend, s'en va arracher. La question que je pose ici, est-ce que, même à supposer même qu'un ingénieur ait construit votre maison et vous n'ayez pas eu à le payer, que vous allez peut-être le payer un jour. L'ingénieur doit venir s'installer dans votre maison, mes anglophobes. Dites-moi un peu. Ça se fait où? Hein? Tout le temps, quand ça ne va pas,
Il s'en va voler, il arrête les infirmiers au cou, il prend les remèdes, les médicaments par force. L'histoire-ci que je vous raconte va finir par un pugilat. Les pauvres stagiaires du centre de santé d'Azem, tous les jours, c'est eux qui payent les médicaments d'un vieillard. Il est allé là-bas l'autre jour, les arrêter, que lui, il avait de mourir de maladie et tout, alors qu'il a conçu un centre de santé, alors que ceci, cela, il faut qu'on lui donne les médicaments. Il a arrêté les enfants de lui au cou. Et c'est comme ça qu'il se vante que c'est ma femme qui a conçu le centre de santé. C'est ma femme, je suis un grand journaliste, je suis ceci, cela. À 55 ans, quelqu'un est incapable de se soigner. À 55 ans, quelqu'un est incapable de savoir où il va. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, c'est la fête. Il ne faut pas que l'Al-Kabir se fâche contre moi. Et aujourd'hui, c'est un jour de paix. Bon, je vais vous développer ça demain, les anophobes. Le vol des médicaments au centre de santé. Je vous embrasse, merci d'être là. Profitez, mangez le mouton, buvez de la bière, buvez du vin, parce que vous-même, vous voyez, la vie là est comme ça, oh. Elle est comme ça, je vous mets encore un peu, et quand je vous mets ça, c'est pour vous dire que, vous avez vu, j'ai cité le nom de tous mes ancêtres, le père à mon père, le père du père à mon père, le père à ma mère, la grand-mère, mon grand-père, c'est ça votre Jéhovah, c'est ça votre Dieu, c'est ça votre Nyambé, c'est ça votre Zamba. Faisons attention à ce que nous faisons. Hein. Écoutez ceux qui ont vécu. Écoutez les anciens combattants. Écoutez les noms. Parce que moi, j'ai posé des actes, j'ai fait des choses, j'ai vu ce que ça m'a apporté. Donc, je vous dis, je le dis, priez vos ancêtres. Appelez-les au secours. Et tout va se réaliser. Votre Dieu, c'est celui-là qui vous a porté. Celui-là qui a porté le père du père, de ton père, de ton arrière-grand-père. Allez balayer leur tombe. De temps en temps, allez verser un verre de... Quand vous avez fini de boire 2, 3, 4, 5 bouteilles de champagne, prenez une bouteille de champagne, versez-la sur la tombe de votre arrière-grand-parent, mes anglophobes, et venez témoigner. Venez me voir, dites-moi que non, la mère, tu es forte. Bon, je vous souhaite... Merci mes anglophobes. Allez, bonne fête du mouton à vous tous. Merci, merci.